Avant de démarrer, vous écoutez un épisode enregistré précédemment sous le podcast « Allez, vas-y ». Nous avons donc conservé l'introduction et l'ensemble du montage d'origine. Rendez-vous chaque vendredi pour retrouver un épisode inédit du podcast « Tout un sport ». Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y » consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Cette semaine, je vous propose de prendre votre vélo et de tenter de suivre Jade Vielle, une jeune championne de cyclisme sur route. Et quand je dis championne, je ne mens pas, puisqu'elle est devenue championne de France alors qu'elle n'avait pas encore 20 ans. Et en écoutant Jade, vous allez vite comprendre pourquoi elle a atteint le sommet aussi rapidement. Son énergie et sa motivation sont débordantes. Vous allez découvrir comment elle est arrivée au cyclisme et comment, très rapidement, elle a dû faire le choix de quitter sa famille pour s'aligner à ses ambitions. Dans cet épisode, vous allez revivre la course où elle est devenue championne de France et vous allez partager ses émotions. On parle également des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Jade, en plus d'être cycliste professionnelle, est aussi une personnalité. Elle a décidé de se lancer à la découverte de la France à vélo quand les courses étaient annulées en raison du Covid. Et elle a aussi publié un livre de recettes. Rien que ça. Bref, vous l'avez compris, Jade roule à fond et elle n'est pas du style à laisser filer le temps. Avant de démarrer cet épisode, vous allez voir ce que ça fait que de tenter d'improviser un jeu de devinettes au moment de lancer l'enregistrement du podcast. Quand on dit « allez, vas-y », c'est aussi tenter et se planter. Allez, place à l'épisode. En selle, ça va pédaler sec pendant tout l'épisode. Eh bien donc, on est sur le podcast avec Jade Vielle. Alors, je ne vais pas vous dire ce que fait Jade, mais en tout cas, j'ai l'honneur d'avoir une championne de France sur le podcast. Et ça, je le dois à quelqu'un à qui je vais faire un clin d'œil, petit clin d'œil à Stéphane Rossignol, il se reconnaîtra, qui m'a mis en relation avec Jade. Et puis, bah, avant de parler du parcours de Jade et ce qu'elle fait, elle va pouvoir se présenter, nous expliquer un petit peu qui elle est, pour qu'on apprenne à la connaître. Et puis, tout doucement dans le podcast, à un moment, on saura ce que fait Jade et de quelle discipline elle a été championne de France. Bonjour Jade. Ben, bonjour à tous. Donc, c'est Jade Vielle. Je viens d'avoir 22 ans il y a deux jours. Exactement. C'est vrai, bon anniversaire en retard. Je ne l'ai même pas souhaité. Merci, merci. Du coup, là, je suis actuellement au-dessus de Nice, vers Saint-Janet, dans un petit village depuis septembre. Donc, je suis partie de chez mes parents et je suis actuellement en colocation avec mon copain et avec notre petit chien. Tu as grandi dans quel environnement pour qu'on essaye tout doucement de se dire, tiens, de quoi elle est championne de France ? Alors, je vais essayer de ne pas trop donner d'indices, mais je suis restée jusqu'à l'âge de mes 15 ans avec mes parents. Et après, justement, mon activité a fait que je suis partie du côté de Besançon pour y passer mon lycée, mon bac, mes études, les terminer. Et pour après, justement, essayer de devenir cette championne de D'accord. France. D'accord. Allez, on va pouvoir le dire, puisqu'en fait, si on réfléchit bien, normalement, les gens auront entendu l'intro du podcast et ils sauront que tu as été championne de France de... cyclisme sur route. D'accord. En quelle année ? C'était en 2019 et c'est dans la catégorie élite femme. Waouh ! Donc, tu fais partie, si je ne me trompe pas et si j'ai bien lu, d'un cercle assez fermé des personnes qui ont été des championnes de France de moins de 20 ans. C'est ça, vous n'êtes que trois a priori, si je ne me trompe pas, d'après ce que j'ai lu. Oui, c'est ça. Il me semble que je ne suis pas la plus jeune. Il y a dû y avoir un Marion Rousse qui, à l'époque, avait été à 18 ans et demi, il me semble. Moi, j'avais eu mes 19 ans, donc c'était le 29 juin, très précisément. Je me rappellerai toute ma vie, je pense. Et donc, quel est le parcours, maintenant qu'on sait de quoi tu as été championne de France, quel est le parcours qui t'a amené jusque-là parce qu'être championne de France à moins de 20 ans, ce n'est pas neutre du tout, à 19 ans même. Est-ce qu'il y avait des prédispositions à la base pour que tu fasses du cyclisme ou est-ce que, explique-nous un petit peu quel a été le cheminement pour arriver jusque-là. Alors, je pense que c'est un peu plus le hasard puisque du coup, ma famille n'était pas du tout dans le monde du vélo. Mon père était un footeux, ma mère n'a jamais vraiment fait de compétition. Ma sœur, elle, c'était plutôt les études parce que du coup, j'ai une sœur de 26 ans qui a réussi son diplôme d'avocat.
Et en fait, quand j'avais 5 ans, du coup, tous les mercredis, une amie de mes parents me gardait. Et l'après-midi, on faisait des activités. Et un jour, son fils avait voulu essayer le vélo. Donc, au début, j'allais avec lui, je l'accompagnais, puis je le regardais faire des tours de piste. Et un jour, on m'a dit, bah, pourquoi tu n'essayerais pas? Et dès que j'ai enfin eu un vélo à ma taille, j'ai fait mes premiers tours de piste. Et au final, elle y allait tous les mercredis, mais plus pour lui, maintenant, c'était pour moi. Donc, j'en suis jamais descendue. Donc, maintenant, ça va faire 17 ans que je fais du vélo. Et je ne compte pas arrêter tout de suite. D'accord. Et quand on commence à faire du vélo comme ça et qu'on va tous les mercredis, est-ce que tu as souvenir, parce que quand on est enfant, il y a des choses dont on se souvient et d'autres pas, mais est-ce que tu as souvenir quand on commençait à parler de toi en termes de performance ou autre, ou au début c'était vraiment que de l'amusement, ou tu as senti assez rapidement que c'était un truc pour toi? Non, c'est vrai que mes parents m'ont souvent répété que j'avais un esprit de compétitrice. Déjà, je déteste perdre. Donc, dès que j'ai eu l'âge et l'opportunité de faire des compétitions, ben, je me rappelle que le club m'avait donné un vélo un peu plus haut de gamme, on va dire. Et donc, j'avais fait des petites compétitions. Puis, on m'avait toujours dit, tu verras, elle ira loin, puisque je m'entraînais toujours avec les garçons. Et puis, je n'aimais pas être lâchée, en fait. Donc, je m'arrachais, on va dire. Et puis, quand il y a vraiment eu les courses un peu plus FFC, avec la Fédération française de cyclisme, avec des points, tout ça, j'ai commencé à bien marcher. Ensuite, j'ai passé mes années cadettes. Et ensuite, il y avait les Coupes de France. C'est vraiment là où on va dire qu'on peut éclore. Et c'est à ce moment-là que, oui, j'ai démontré de belles choses, on va dire. Et ça m'a permis, au fur et à mesure, de continuer à progresser de mon côté, d'affronter les autres filles un peu partout dans la France lors de ces courses, et où je m'illustrais plutôt pas mal. Et du coup, c'est pour ça qu'à l'âge de 15 ans, j'ai décidé de partir dans un centre. C'était du coup le Pôle Espoir de Besançon, où vraiment, là, j'allais vraiment être plus encadrée. C'était un peu compliqué au début. Parce que là, du coup, je quittais tout, j'allais en internat, je quittais tout ce petit cocon pour essayer, on va dire, de réaliser mes rêves. Et puis, au final, tout s'est très bien passé pour moi, puisque à l'âge de 18 ans, j'ai eu mon premier contrat professionnel. Et aujourd'hui, on peut dire que je vis de ma passion. C'est vraiment top de pouvoir vivre de sa passion, ça c'est vrai que peu de gens peuvent le dire de cette manière. Moi ce que j'aimerais mettre en lumière aussi c'est quand tu dois quitter ton cocon familial comme tu l'as dit et notamment le sud pour remonter vers Besançon, c'est quoi ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Bah, à vrai dire, ça a été une période un peu compliquée parce que c'était vraiment soit je misais tout sur le vélo, soit je partais en lycée militaire à Aix-en-Provence. Donc là, ça signait aussi l'arrêt du vélo. Donc pour moi, c'était impensable. Donc c'est vrai qu'au début, mes parents, ils n'étaient pas vraiment pour. Ils me disaient, mais Jade, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? C'est un peu compliqué. Surtout qu'avec l'internat qui était fermé le week-end, je devais à chaque fois trouver pour me loger. Donc j'étais même allée des fois chez des inconnus, on va dire, qui hébergeaient des enfants, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué. J'en ai pas que des mauvais souvenirs, mais c'était pas la période la plus heureuse de ma vie, on va dire. Mais je savais pourquoi je le faisais. Puis, on va dire, le côté vraiment positif, c'est que sur le vélo, ça roulait. Donc, quand je rentrais les week-ends des compétitions où ça marchait, bah, c'est sûr que la semaine, elle se passait beaucoup mieux. Et puis, au final, j'ai commencé à m'habituer. J'ai dû aussi me refaire des amis. Donc, ça, c'était aussi un peu compliqué. Parce qu'on va dire, en fait, quand j'étais un peu plus jeune, du coup, moi, j'étais plutôt le genre de fille à traîner avec les garçons, un peu garçon manqué, tout ça. Et du coup, quand on arrive au lycée, c'est pas tout à fait le possible, on va dire. Il y a un peu des regards, tout ça. Donc, je me suis un peu refait, on va dire, une personne. Et puis, finalement, tout s'est bien goupillé pour moi. Donc, j'ai fait mes 3 années à Besançon. J'avais même pris, du coup, un appartement à la période du Covid en 2020. Et justement, le Covid a fait que j'ai pris ma décision de rentrer. Et aussi le fait que ben, j'avais ce contrat professionnel, ça a facilité les choses et je me suis embarquée du coup dans une nouvelle aventure. Et pour aider les uns et les autres, parce que bon, il y a les sportifs de haut niveau, il y a ceux qui veulent demain le devenir comme toi, mais il peut y avoir aussi des enfants qui veulent vivre de leur passion, boulanger, pâtissier et autres, qui doivent partir en internat. Est-ce que tu aurais un ou deux trucs sur lesquels tu te rattachais pour dire, bah, tu vois, l'exemple que tu donnais, c'est le fait de ne pas rentrer chez toi le week-end, de devoir aller vivre chez des gens et tout. Il devait y avoir des moments où
ça partait vraiment très bas en termes de motivation. C'était quoi les petits trucs auxquels tu te rattachais? Comment tu faisais pour te redire ok, mais je fais ça pour le vélo, je fais ça parce que je veux être sportif de haut niveau? Ouais, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Ben, je pense qu'on peut prendre comme exemple tout ce qui était blessure. Moi, j'avais eu une tendinite, donc j'étais un peu mis de côté. C'est là que je me disais, du coup, quand je n'avais pas le droit de m'entraîner, je me disais, purée, est-ce que tu es vraiment heureuse là dans ta vie, tout ça? Et puis au final, je me trouvais d'autres objectifs, que ce soit à l'école ou justement de m'ouvrir aux autres aussi. Donc, je pense que toutes ces personnes qui veulent justement vivre de leur passion, déjà, il faut qu'ils se donnent à 100%, puisque si on ne met pas tout notre cœur, tout notre esprit, tout notre moment de nos journées dans ça, je ne pense pas que ça puisse fonctionner. Là, justement, j'ai mon copain qui est amateur et qui, lui, aimerait justement vivre de sa passion. Donc, j'essaie aussi de lui donner des petits tips comme ça, de vraiment de faire les choses à fond, même si au final, des fois, le résultat n'y est pas. Au final, ça peut durer que 2 ans, par exemple, à vraiment se donner à fond. Et après, c'est la joie et l'accomplissement pour toute une vie. Donc, je pense que des fois, les sacrifices, ils valent le coup. Et il faut vraiment, vraiment s'écouter soi-même. Voilà, moi, je savais que c'était en allant voir aussi ailleurs que ça pouvait payer pour la suite. J'ai fait un sacrifice, mais du coup, il en a valu la peine. D'accord. Et une chose peut-être qu'il faut préciser aussi, c'est que tu ne faisais pas que du vélo sur route, tu faisais aussi du cyclo-cross l'hiver. Et les gens ne savent peut-être pas, mais c'est vraiment une discipline qui demande beaucoup aussi d'abnégation parce qu'on se retrouve dans la boue, c'est des accélérations qui sont difficiles et autres, il y a une question d'adhérence. Enfin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que ce n'est pas une discipline très connue. Ouais, c'est ça. En fait, c'est justement pour ça que je suis partie du côté de Besançon, parce que c'était là-bas, on va dire, qu'il y avait un peu la pépinière du cyclocross. Et surtout, c'est pas dans le sud avec le soleil et les petits cailloux qu'on peut vraiment faire du vrai cyclocross, parce que le cyclocross, c'est dans la boue, c'est dans les températures négatives, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une discipline qui nécessite d'autres qualités. Mais moi, justement, je trouvais un peu mon équilibre entre les sorties routes qui des fois peuvent être, on va dire, ennuyeuses. C'est sûr, quand on part faire 4 heures sur de la route, il n'y a rien de super ludique. Alors que dans le cyclocross, justement, on travaillait des aspects un peu plus techniques. Il y avait vraiment des séances où ça allait être plutôt du portage, des sauts de planche, plus de la technique avec les virages, ne pas perdre de temps sur les relances. Et du coup, je trouvais, on va dire, mon juste milieu sur ça. Sur la semaine, ça permettait aussi de la faire passer plus rapidement. Et l'avantage surtout que j'avais d'être du coup à Besançon, c'était que je m'entraînais jamais seule, on était vraiment encadrés. Les horaires de l'école étaient adaptés, on avait l'entraînement le matin de 10h à midi, on retournait à l'école. Et le soir, on avait une séance par exemple de gainage ou alors de yoga, des choses comme ça. Et moi, je sais que j'ai toujours eu besoin d'avoir un peu une vie à 1000 à l'heure où vraiment j'ai pas le temps de me poser. Et donc ça, je le trouvais justement à Besançon. Et ça m'a plutôt aussi permis de grandir, parce que de cette expérience, j'en sors grandi. Malheureusement, maintenant, quand je rentre chez mes parents, des fois, c'est un peu compliqué la cohabitation, puisque j'ai réussi à prendre cette indépendance. Et puis, j'aime aussi vivre comme je le souhaite. Bien sûr, je me doute. Et une question, c'est quoi la victoire? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il y a une victoire ou est-ce qu'il y a un tournant qui fait que tu te dis... Ouais, je vais y arriver, je vais pouvoir atteindre mon objectif. Celui de championne de France sur route élite, c'est je dirais la consécration, mais il y a peut-être une autre petite victoire ou un élément qui fait que tu te dis, là je vais y aller, ça va marcher. Comme je le disais, c'est vraiment les Coupes de France au début qui va dire faisait ressortir les meilleurs cyclistes jeunes. Donc j'avais eu la chance de remporter justement le classement général. Et puis après, du coup, durant l'été, il y avait tout ce qui était championnat de France. Donc, il y avait les championnats de France sur route. Et après, c'était ajouté le contre-la-montre. C'est encore plus une discipline où vraiment, là, en fait, il n'y a pas de tactique. C'est vraiment, on se donne à fond pendant les kilomètres donnés. Donc, c'est aussi un peu comme ça qu'on peut juger un sportif. Mais je pense que c'est vraiment quand mon entraîneur, du coup, m'avait dit que c'était l'équipe Sunweb à l'époque s'intéressait à moi. Et là, vraiment, comme je savais que j'étais vraiment suivie, qu'ils avaient une envie de m'avoir dans leur équipe, j'étais plus que motivée. Et puis, ça me permettait aussi d'être plus tranquille et de me dire « Ok, tu ne fais pas ça pour rien. Ok, tu fais pas mal à l'entraînement pour rien, puisque derrière, ça va payer. » Et après, je pense que la première étape qui a fait que,
c'est la première sélection en équipe de France, puisque là, c'est vraiment, on est sélectionné, donc on fait partie des meilleurs. Et j'avais surtout la chance aussi, en plus d'être en équipe de France, c'est d'être leader. Donc, toute l'équipe me faisait confiance. J'aimais avoir cette pression que le sélectionneur me donnait et le fait que la course, des fois, je pouvais décider un peu comment ça se passait, choisir des filles qui peuvent rouler pour moi, tout ça. Et ouais, c'est vrai que j'ai toujours eu un peu cet esprit de vouloir être la première. Et que quand je me balade, j'aime bien être devant. Donc, c'est vrai que d'avoir été en équipe de France, ça m'a aussi permis d'avoir un peu plus confiance en moi et puis de croire en mes capacités. Et c'est bien de le dire parce qu'on a souvent tendance en France à dire quand on a du caractère ou de l'ambition qu'on n'est pas humble, mais il en faut pour être sportif de haut niveau. Enfin, si on est tout le temps en retrait, tout le temps à dire j'accepte la défaite, c'est difficile d'être sportif de haut niveau avec un caractère comme celui-là. Non, c'est clair. Je pense que je ne dis pas que je suis une championne, mais je pense que chaque champion a son caractère. Moi, j'aime bien regarder, vous savez, tout ce qui est un peu intérieur sport, tout ce qui est reportage sur les sportifs. Et c'est vrai qu'on voit que chaque grand champion, il a ce petit quelque chose qui fait que bah, il va être plus fort que les autres, il va aller au-delà de la douleur et qui va montrer aussi pourquoi il est là. Enfin, c'est pas pour rien, il n'est pas sorti de nulle part, même si des fois certains sportifs se révèlent à 25, 30 ans. Ils ont construit tout leur palmarès bah, depuis le jeune âge, quoi. Et moi, j'ai un point particulier sur le cyclisme parce que j'ai toujours, voilà, j'ai adoré regarder le Tour de France. Je fais partie de ces jeunes enfants qui savaient rester devant le Tour de France pendant toute une après-midi et adorer ça. Donc, j'ai un œil amateur, mais assez aiguisé. Moi, j'ai toujours admiré le fait des sportifs, des cyclistes par rapport à la chute. Est-ce que toi, tu peux nous en parler? Parce que la chute, c'est quand même, enfin, en vélo, à la vitesse où vous allez, c'est pas neutre. Et on voit des personnes tomber et se relever tout de suite après avec la jambe en sang, etc. Et c'est un des rares sports où on vous voit continuer à faire toute une étape avec le bras en sang ou la jambe en sang, le genou en sang, et le lendemain, vous repartez sur une autre épreuve. Enfin, bref, c'est loin d'être neutre. Est-ce que y a quelque chose, toi, autour de ça? Ouais, c'est vrai qu'on a tous, je pense, en image certaines vidéos ou justement courses où on a vu des chutes assez marquantes. Je touche du bois quand je le dis, j'ai jamais eu de chute qui a fait que j'ai abandonné une course, donc j'ai jamais eu de grosses chutes, contrairement aux blessures que j'ai pu avoir. Non, les chutes, ça m'a jamais vraiment touchée. Après, c'est vrai que quand on est vraiment sur le moment, sur la course, quand on tombe, on pense qu'à une chose, c'est récupérer notre vélo, vite revenir dans le peloton. Et je pense que c'est en fait d'être à quelque chose de physique ou quelque chose qui est dans le corps, on doit développer une adrénaline ou quelque chose comme ça qui fait que quand on tombe, si c'est vraiment pas quelque chose comme une clavicule ou quelque chose de vraiment qui peut pas qui permet de pas partir, ben on a toujours cette adrénaline qui va faire que on va y aller quoi. Limite, je pense qu'on oublie la douleur, on s'en rend même pas compte. Des fois, c'est souvent les personnes, une fois qu'ils ont la ligne franchie, qui se disent purée, en fait j'ai un sacré trou dans le genou ou dans le coude. Sur le moment, en fait, on est tellement dans notre bulle, je pense, que on passe au-delà de la douleur. En fait, on ne sent même plus la douleur dans les jambes. On n'a qu'une envie, c'est franchir la ligne. Donc, c'est vrai que c'est des chutes qui sont marquantes, contrairement des fois à d'autres sports où ben, la chute, ça va pas être le même impact. Parce que nous, on est sur la route, donc c'est le corps qui prend directement. Mais ouais, je sais pas trop comment expliquer ça. Si tu l'as jamais vécu, c'est bien. C'est une, enfin, jamais des très grosses chutes, c'est bien. Mais moi, j'aime bien en parler parce que je trouve que ça fait partie aussi de la consistance de ce sport où on doit toujours être vigilant et le moindre petit écart de roue de celui ou de celle devant fait qu'on peut chuter et ça peut, enfin, faire changer une carrière ou autre. Donc, il y a une forme de vigilance et justement, c'est ça qui est. Enfin, qui est assez impressionnant. Et toi, justement, le fait de ne pas en avoir vécu, est-ce que tu as cette insouciance ou est-ce que tu as une vigilance justement encore plus accrue en disant je ne l'ai pas vécu, donc je veux pas le vivre? Je sais pas trop. À vrai dire, c'est vrai que quand on est dans le peloton, comme tu l'as dit, d'être vraiment concentré aussi sur son vélo, d'être agile, c'est des capacités, je pense, qu'on obtient quand on est plus jeune. Moi, enfin, je me rappelle justement quand j'avais, il me semble, 10 ans, j'avais vu en fait que la personne devant moi allait glisser. Et je sais pas, mais en fait, ma tête m'avait fait anticiper. On avait regardé la vidéo. En fait, j'avais carrément sauté avant même de tomber. J'avais sauté du vélo pour anticiper cette chute.
Et ça, on le voit justement quand j'étais au pôle espoir, il y avait le pôle France VTT qui s'entraînait avec nous sur les tatamis. Et en fait, eux, ils allaient faire des séances de judo exprès pour justement réagir en fait à la chute, se préparer à la chute pour limiter la casse en fait, tout simplement. Et je pense que ça, c'est des aspects qui des fois sont un peu négligés dans notre sport, mais qui peuvent servir vraiment dans cette discipline. Puisque, comme tu l'as dit, la chute, elle arrive malheureusement assez souvent. Et je pense que d'être agile justement sur son vélo, de savoir frotter, de savoir quand il est nécessaire justement de frotter, parce que des fois, on le voit maintenant, les coureurs, ils vont frotter à fond, tout ça, alors que des fois, il n'y en a pas la nécessité. Et justement, ils prennent des risques, des fois un peu inconscients. Mais c'est aussi ça le sport, et c'est ça qui fait que quand on voit une chute, on se dit, purée, comment il va faire pour revenir? Et c'est ça aussi qui est un peu excitant dans ça, quoi. Donc tu es professionnel pour passer sur un sujet un peu différent. Tu es professionnel depuis 2019 au sein de l'équipe FDJ, donc qui est plutôt connue en France hein, par le fait qu'ils ont une équipe aussi professionnelle masculine. Moi, je voulais parler aussi d'un sujet, alors sans révéler ton salaire et autres, parce que j'ai pas, c'est pas l'objectif, mais est-ce que tu pourrais nous donner une tranche d'un salaire mensuel ou d'un salaire annuel pour que les gens se rendent compte à quel point bah, déjà il y a des écarts avec les hommes, et surtout qu'aujourd'hui, à la fin de ta carrière, tu peux pas te dire. Bon, bah, j'ai terminé et je peux, entre guillemets, m'arrêter là comme peuvent le faire certains hommes, pas tous bien sûr, mais voilà, comprendre un petit peu, parce que c'est ce qui m'a plu à chaque fois que j'ai eu des femmes sportives de haut niveau, c'est de montrer aussi l'écart avec les hommes. Quand je dis ça m'a plu, c'est que c'est une manière pour moi de le mettre en lumière, l'écart qui est criant. On parle de l'écart en entreprise, mais l'écart dans le sport de haut niveau entre hommes et femmes, il est impressionnant. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Après, il faut savoir que quand, du coup, je suis passée professionnelle, il n'y avait pas du tout de contrat vraiment professionnel. Les filles, elles allaient sur les courses limite sans être défrayées. Donc, j'ai vraiment cette chance d'arriver à la bonne période où il y a des règles qui ont été mises en place avec justement un salaire minimum, un salaire évolutif. Parce que, du coup, je fais partie d'une structure qui est World Tour. Et cette équipe, du coup, elle a des obligations envers ses salariés, vu que maintenant, on est vraiment 10 salariés. Donc là, j'ai signé jusqu'en 2023 et tous les ans, j'ai un salaire évolutif. Donc on est au-dessus du SMIC. C'est sûr qu'on ne gagne pas des milliers, des cents. Mais à savoir qu'il y a les meilleures cyclistes mondiales femmes qui sont très, très, très bien payées. Je pense que. Après, c'est sûr que comparé à ce qu'elles sont, étant donné, imaginons, elles sont dans les 5 mondiales, comparé à un homme, c'est très peu. Mais je pense qu'on va vraiment dans le bon sens. Et justement, là, je peux le dire que je peux vivre de ma passion. Alors que quand je suis arrivée dans l'équipe, par exemple, non, je ne peux pas vivre de ma passion. Donc, je relativisais tout le temps en me disant que j'étais encore étudiante, puisqu'à l'époque, j'étais en fac de STAPS. Mais c'est sûr que maintenant, oui, je peux vivre. Aisément, ce serait un grand mot, mais je peux vivre comme je le souhaite. Donc c'est merci d'avoir accepté de mettre ça en lumière parce que pour moi c'est un point important de ce qu'on voit pas. Et avant de parler de cette victoire en 2019 qui est marquante et qui à mon avis te restera comme tu le disais en tête pendant toute ta vie, est-ce que tu peux nous parler du nombre d'heures d'entraînement que vous avez aujourd'hui ou que tu avais en 2019? Enfin voilà, de nous donner un petit peu un ordre d'idée de se dire combien de kilomètres tu fais par mois ou à l'année et combien d'heures d'entraînement ça nécessite pour atteindre le plus haut niveau. Alors déjà, là, je viens de rentrer de 5h20 de vélo, donc je suis un peu fatiguée, les jambes sont en l'air. Mais c'est vrai que ça, c'est plutôt l'entraîneur qui va gérer ce côté heure d'entraînement, durée, tout ça. Pour le coup, depuis que je suis passée professionnelle, j'ai toujours été, on va dire, gênée par une blessure, donc j'ai jamais vraiment pu m'entraîner comme je le souhaitais. Je dis ça aujourd'hui, puisque là, normalement, je suis sortie d'affaires, on va dire. Donc, je vais pouvoir vraiment être à fond. Mais en termes de kilomètres pour faire large, pour ma première année, il me semble que j'avais 17 000 km à l'année. Et là, cette année, il me semble que je suis à 5 000, sachant que pendant un mois, là, je n'ai pas pu faire plus de 2 heures de vélo. Et c'était sur un entraîneur en plus.
Après, c'est sûr que ça, il faut le voir un peu large. C'est un peu différent aussi, puisque la plupart des kilomètres, en fait, ils rentrent grâce à nos courses, puisque c'est là qu'on va faire le plus de bornes, ou alors dans les stages. Mais c'est vrai que c'est un aspect qui est de plus en plus travaillé. On le voit, les équipes maintenant ont des entraîneurs vraiment personnalisés, des entraîneurs de la performance. Nous, dans notre équipe, on a carrément une personne du coup qui est là pour gérer tout ce qui est performance, tout ce qui est data, avec les watts, tout ça. Mais moi, je suis pas plutôt dans le style à toujours en faire plus. Je suis vraiment plus à favoriser la qualité plutôt que la quantité en termes d'entraînement. Et donc pour en revenir à cette fameuse course de 2019, si tu devais nous en parler, qu'est-ce que tu nous dirais? Quels sont les souvenirs là comme ça quand on en parle qui te reviennent? Et est-ce que tu as envie justement de temps en temps de te remémorer les souvenirs ou tu te dis bon bah c'est bon maintenant je vais pas rester là-dessus, je veux aller gagner d'autres courses? Ouais, bah c'est vrai que ce jour-là, c'était une journée folle, vraiment. J'aurais vraiment jamais pensé que cette journée allait se passer de la sorte. Surtout que quand la course a commencé, déjà, il faisait une chaleur éprouvante, vraiment, vraiment. Et sur le coup, j'avais vraiment pas des bonnes sensations. Je sentais que mes jambes, elles étaient lourdes, que c'était pas foufou. Puis, du coup, j'ai eu une ouverture. En fait, j'ai vu une fille attaquer. Puis, je me suis dit, bah, go, allez, on y va. Donc, j'ai sauté dans sa roue. Et au final, en fait, ça m'a, on va dire, un peu débloqué. Et sur le coup, j'ai vu que bah, cette fille-là était un peu en train de piocher. Et sur le bord de la route, il y avait notre entraîneur. Et je lui ai demandé, en fait, si j'avais le droit de contrer la fille, puisque devant, j'avais déjà une équipière à moi en échappée. Et du coup, il m'a dit, oui, fonce. Donc, je suis rentrée après sur les deux autres filles de devant. Et du coup, il y avait une fille de mon équipe. Donc, on a tout de suite pu discuter, collaborer. Et c'est vrai qu'en fait, quand on est devant, en fait, quand on court devant en course, on arrive, on va dire, un peu plus à aller au-delà de la douleur. En fait, vraiment, on sent limite plus les jambes parce qu'on a le public qui est à fond derrière nous. On a les coachs qui sont derrière en voiture à nous motiver. Donc, je pense qu'on arrive à se transcender encore plus que quand on est dans un peloton à avoir mal à cause des autres, quoi, puisque les autres nous font mal. Donc, c'est vrai que ça s'était super bien passé. Donc, on avait bien géré la course toutes les deux. C'était Marie-Lenette, du coup, une très bonne copine en plus. Et donc, on s'était retrouvés après plus qu'à deux. On avait réussi à lâcher l'autre concurrente qui était avec nous. Sauf que dans le final, ça faisait déjà, il me semble, 60 bornes qu'on était en échappée. On commençait vraiment à être au bout de nos forces. Et on entendait et on voyait surtout avec l'ardoisière que des filles ressortaient derrière. Donc on s'était vraiment dit, bon, bah, c'est terminé, c'est bon, ils vont revenir sur nous et puis ils vont nous lâcher, quoi, parce qu'on ne pourra plus en remettre. Et la course continuait, on voyait toujours personne qui revenait, on était rentré du coup dans le dernier tour. Et dans ce parcours, il y avait en fait une bosse vraiment raide, assez courte. Et juste avant l'arrivée, il y avait une bosse un peu plus longue de bornes, je dirais. Et je savais que, enfin, pour moi, ça me paraissait compliqué de nous lâcher si on arrivait à passer ce taquet raide. Parce que c'était vraiment dans ce taquet raide où ben, une attaque franche nous aurait fait lâcher et on n'aurait jamais pu tenir. Et donc, on avait réussi à passer ce talus à deux. Et du coup, après, c'était l'ex-championne de France qui était revenue sur nous, Adbenik. Et tout de suite, c'est vrai qu'elle avait pas trop su gérer, on va dire, peut-être un peu ses nerfs, en fait. Et tout de suite, elle voulait en fait qu'on collabore avec elle, sauf que nous, ça faisait déjà 70 bornes qu'on était devant. Donc, notre seule tactique, c'était de rester dans sa roue et puis d'essayer de faire le meilleur des sprints pour la battre. Et puis, c'est vrai que toute l'année, je n'avais pas fait des trucs fous. J'avais un peu des douleurs du coin mes mollets que j'avais eu un syndrome des loges. Donc, je n'étais pas trop, trop en confiance. Mais je savais qu'au sprint, je pouvais avoir une certaine pointe de vitesse et que sur bah, un malentendu, ça pouvait le faire. Du coup, on est arrivé dans le dernier kilomètre, les trois. Avec, du coup, c'était malheureusement Marie-Lenette avait lâché. Donc, une autre fille était revenue. C'était Victorie Gilman, ma coéquipière aussi. Donc, on était toujours deux contre une. Et du coup, à 300 mètres de la ligne, en fait, j'ai vu une porte s'ouvrir. C'est-à-dire que il y a eu un petit trou où vraiment bah, il fallait aller, c'était le moment. Et j'ai fait signe à ma coéquipière d'y aller, mais elle n'y est pas allée. Du coup, je me suis dit, bon, bah, j'y vais.
Et du coup, là, j'ai lancé mon sprint, et puis je voyais la ligne se rapprocher, et je voyais personne à mes côtés, donc je me suis dit, purée, Jade, tu vas gagner, quoi. Et là, c'est vrai que quand j'ai franchi la ligne, sur le coup, bah, j'ai vraiment crié, quoi. Je ne me rendais pas compte de ce qui venait de se produire. Et puis, c'est vraiment une fois que j'ai passé la ligne que tout le monde m'a sauté dessus, que mon manager était super fier de moi, que là, je me suis complètement effondrée, quoi. C'était vraiment la plus belle victoire de ma carrière. Et puis, du coup, pour répondre à ta question, j'ai vraiment pas envie de m'arrêter là-dessus. J'essaye de m'en rappeler quand vraiment je suis dans un grand bad, quoi. Mais sinon, j'ai vraiment plus envie d'y penser, de me dire, OK, ça c'est fait, maintenant on passe à autre chose et il faut voir encore plus grand. C'est justement de reproduire cet exploit. Normal. Et juste avant de passer à la suite, justement, au moment où tu prends conscience, comme tu dis, et que tout le monde te saute dessus, à qui tu penses? Est-ce qu'il y a des personnes à qui tu penses en particulier? Non, je pense pas vraiment. En fait, mes parents étaient venus ce jour-là sur la course. Et ouais, j'avais juste une envie, c'était vraiment de les voir, de croiser leur regard et tout, de savoir comment ils ressentaient le truc, quoi. Mais après, c'était aussi vraiment de revoir aussi mes coéquipières et de les remercier parce qu'elles avaient aussi bah, cru en moi parce que ce jour-là, je suis persuadée que tout aurait pu gagner. Mais que du coup, vu que c'était nous qui étions devant, elles ne pouvaient pas rouler contre nous. Donc, elles avaient fait un taf énorme. À justement éviter que ça ressorte derrière. Donc, j'avais vraiment qu'une envie, c'était ouais, de tous les prendre dans les bras et puis de partager ça ensemble. Et c'est d'ailleurs une des difficultés du cyclisme. Hein. C'est vrai que on roule ensemble et on est une équipe, mais il n'y a qu'une personne qui franchit la ligne et qui a la lumière entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est parfois un peu difficile, je suppose, pour certaines compétitrices ou certains compétiteurs de dire ah, mince, j'aurais bien aimé quand même y aller, mais bon voilà, là ça fait partie aussi de ce sport. Ouais, c'est clair. Bah, moi, la première, ça faisait déjà 3 ans que je faisais des championnats de France. Tous les ans, je montais sur la boîte, mais jamais sur la première marche. Et c'est vrai que ce maillot, quand on voit les autres l'enfiler, on a un petit pincement au cœur parce qu'on se dit, purée, je suis sûre qu'il mérite bien, quoi. Donc, de le gagner là, c'était vraiment. Bah, c'était. Au final, je me suis dit, tu vois, ça valait le coup d'attendre, quoi. Parce que du coup, il avait une saveur vraiment spécial. Là, c'était un maillot chez les élites et ça signifie beaucoup de choses. Ça, vraiment, là, tous les jours, quand je pars à l'entraînement, bah, j'ai des liserés autour des bras. Donc, ouais, je me suis dit, tu vois, finalement, ça valait le coup. Et puis, ouais, quand tout s'enchaîne après, la Marseillaise, les sponsors, le vélo bleu, blanc, rouge, bah, on est super content et ça facilite tout vraiment. Voilà, quand on part à l'entraînement, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, on s'en fout, on a envie d'aller rouler, on se dit, purée, t'es tellement jolie, quoi, c'est trop bien. Donc, c'est sûr que c'est plutôt l'après, on va dire, qui est un peu plus compliqué à gérer. Et aussi le fait de justement avoir eu ce pic, on va dire, dans le sens où tout le monde est autour de toi, tout ça. Et puis, une fois que ça s'arrête, il faut savoir garder la tête haute, quoi. Ouais. Et justement, avant de passer et de parler de l'avenir et de la vision, après ton titre de champion de France, il y a un truc qui nous est tombé à tous sur le coin de la figure. C'est un truc qui s'appelle le Covid, je pense, la Covid, un truc comme ça. Enfin bref, une pandémie mondiale à peu près. Comment t'as géré ça? J'ai cru avoir des petites infos par un certain Stéphane, que tu avais mené d'autres choses et que donc tu avais un peu ouvert ton cerveau à d'autres choses. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, c'est vrai. Ben, en fait, pour être franche, moi, le Covid, je l'ai plutôt bien vécu, du moins au moins le premier, quoi, qui était le plus long. Parce que c'était vraiment la première fois où, ben, depuis 20 ans, je n'étais pas restée aussi longtemps à la maison. De pouvoir justement tous les jours ben, prendre le petit-déj avec ma famille, de faire du sport avec ma famille. Ça me plaisait, surtout avec ma sœur qui, elle, était partie en internat depuis ses 15 ans. Donc, c'est sûr que ce n'était pas une période désagréable pour moi. Le plus compliqué, on va dire, c'était vraiment les entraînements sur home trainer. Ce n'était pas ma tasse de thé. Mais du coup, j'utilisais mon temps à bon escient et j'avais du coup programmé un road trip avec mon copain, puisqu'on était un peu des aventuriers. Donc, on avait acheté tout le matériel, charrette, qu'est-ce qu'on avait pris? On avait pris des tentes, on avait vraiment tout pris. Et en fait, on avait eu comme projet, du coup, de rallier Mimé, là où j'habite dans le sud, à chez lui en Bretagne, dans le Finistère. Du coup, dès que tout a été rouvert, on va dire, ben, on a pris notre charrette et puis on est parti pour 21 jours d'aventure à traverser cette France et en passant par l'ouest. Donc,
On a vécu des bons moments, des mauvais, mais je pense que ça nous a permis aussi de découvrir un peu nos limites et puis d'en apprendre davantage sur nous. Et du coup aussi, je pense, Stéphane, plutôt te parler de tout ce qui était un peu cuisine, parce que du coup, pendant ce On confinement, a parlé des deux, mais oui, cuisine, ah, bon, ça effectivement. va. Parce que du coup, c'est vrai que au final, notre journée, elle était un peu souvent la même. Voilà, on se levait, on déjeunait, on faisait quelque chose, on mangeait. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas justement essayer un peu de me renseigner sur ça, puisque bah, dans le sport, surtout dans le cyclisme, c'est vrai que le poids, il a un aspect important. Et donc, je voulais justement en apprendre davantage et puis aussi un peu cuisiner, parce que, bah, pour vous dire la vérité, quand j'étais en appartement, le soir, moi, un yaourt et des céréales, ça me suffisait. Donc, j'ai essayé justement de me pencher vers ça. Et puis, je me suis tout de suite plu, vraiment. Limite, ça devenait un peu une addiction de tout le temps cuisiner, de tout le temps être à la recherche d'une recette et d'essayer bah, de faire plaisir à ma famille, de partager ça sur les réseaux et puis de donner envie aux autres. Donc, voilà. Et c'est ça qui a fait, du coup, que j'ai créé mon premier livre de recettes. Waouh, et tu t'es, si je me trompe pas, hein, dis-moi, peut-être que je me trompe, mais tu l'as autoproduit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai regroupé bah, toutes les recettes que j'avais faites. Certaines n'ont pas été sélectionnées puisque j'avais fait des photos un peu dégueu, quoi. Donc, j'ai réussi à en avoir 100. Voilà, il y a 55 recettes salées et 45 sucrées. Et du coup, j'avais fait tout ça, c'était l'été dernier, pour essayer d'être le plus rapide. Et je voulais absolument le sortir justement pour Noël, un peu comme un cadeau. Et il existe donc en version e-book ou en version papier. Puis vraiment le plus satisfaisant, c'est ouais, quand j'ai annoncé ça, de recevoir bah, des messages et des messages de commandes. Et je suis tout le temps fière. Encore là, cet après-midi, il va falloir que j'aille déposer les deux livres que des personnes m'ont commandés. Donc je trouve ça cool. Ça m'a pris du temps, mais j'étais contente du résultat final. Et j'attends limite à en refaire un deuxième, quoi. Donc, c'est super, c'est cool, ouais. Et donc, on mettra sur les notes du podcast tous les liens permettant aux gens de commander, de te suivre, etc. sur les réseaux, parce que bah, il y en a peut-être qui diront, tiens, j'ai envie, parce que c'est pas classique et commun d'avoir une championne de France sur route qui, après, derrière, se décide de faire un livre tout en n'ayant pas terminé sa carrière. Elle continue. Et donc, justement, en parlant de ta carrière, c'est quoi l'avenir? C'est quoi ta vision? C'est quoi ton ambition? Est-ce qu'il y a un truc en particulier dans ta tête? Alors, peut-être tu peux pas le révéler parce que, justement, c'est toute une stratégie, mais voilà, en tout cas, l'avenir de manière générale et ta vision. On va dire à court terme déjà, ça va être de reprendre la compétition. Donc normalement, ça va être la semaine prochaine. Ça fait 6 mois que j'ai pas accroché un dossard. Donc c'est vrai que la détermination et la motivation, elle est à son maximum. J'ai vraiment hâte de retrouver mes coéquipières. Et puis surtout, ça va être d'essayer de lever les bras le plus rapidement possible. Et dans un second temps, ben, j'aimerais réussir à faire une belle dernière année d'espoir, puisque là, je suis en espoir dernière année. Donc, il y a des beaux championnats d'Europe qui vont se dérouler du côté du Portugal. Donc, j'espère y être sélectionnée, d'avoir la confiance du sélectionneur et de justement essayer de briller, de décrocher mon premier podium sur un championnat international. Et puis après, comme on dit, tout découlerait, quoi. Si jamais ça se passe bien, je pourrais aussi tenter d'être sélectionnée pour les championnats du monde qui se dérouleront en Australie. Donc, j'ai la chance d'avoir déjà pu aller. Donc, j'ai envie de retourner voir ces kangourous. J'imagine, C'est ça, j'imagine. surtout que c'est en septembre, donc c'est la fin de saison, limite après on peut y rester pour y faire un stage, donc c'est vraiment le pompon, quoi. Donc voilà, à court terme, ce serait ça, et puis à moyen, long terme, si je peux me permettre d'y rêver, bah, ce serait aux Jeux Olympiques qui se déroulent chez nous, quoi. Ça va être une J'allais te fête, poser la question. ouais, ça va J'allais te être une poser la fête question. grandiose, donc j'ai envie d'y faire partie et pas du côté des spectateurs, quoi. Ah, je me doute, je me doute. Et une question aussi par rapport à tout ce qui est financement autour de ta carrière. Est-ce que si des entreprises, sachant que tu es professionnel, je pose la question quand même, si des entreprises veulent te sponsoriser, etc., est-ce qu'elles peuvent le faire ou comme tu es professionnel Totalement. D'accord. Alors, dis-nous justement ce qu'elles peuvent faire. Est-ce qu'elles, comment elles peuvent le faire? Alors, pas de manière technique, mais en tout cas, est-ce qu'elles peuvent, c'est du matériel, c'est des moyens autres, immatériels, je sais pas. Dis-nous. Pour le coup, vraiment, tout aide est accepté. C'est vrai qu'avec l'équipe, du coup, on a des sponsors
plus ce qui va être équipementier ou ce qui va être du vélo. Donc, pour le coup, là, on est déjà bien équipé, mais ça va être vraiment des aides, que ce soit financier pour des stages, parce que maintenant, on va plus du côté dans des montagnes, on essaie d'aller en altitude pour faire tout ce qui est globule. Donc, ça a un certain coût, c'est vrai. Puis après, ça peut être tout type d'aide. Il existe des mécénats. Donc, il existe aussi tout ce qui va être aide pour la récupération, des accès, je ne sais pas, par exemple, à une cryothérapie, à une salle de musculation. C'est plein de choses qui m'aideraient dans ma performance et qui aussi, moi, me permettraient de mettre en valeur l'entreprise ou la personne qui participerait avec moi, qui ferait partie de cette aventure, puisque je pense que c'est une belle aventure. C'est unique, ce sera qu'une fois dans ma vie, ça, je pense. Donc, ouais, c'est vraiment tout aide est acceptée, même juste venir passer une journée avec moi, ça me rendrait super heureuse. Donc, je pense qu'on peut réussir à trouver des bons compromis des deux côtés pour essayer de faire quelque chose de bien, quoi. Ok, de toute façon, on mettra vraiment, encore une fois, hein, je le dis dans les notes du podcast, on mettra les liens pour pouvoir te suivre. Donc, quelqu'un qui veut te contacter, ils pourront. Peut-être aussi par l'intermédiaire de Stéphane, bref, on verra. Si quelqu'un est intéressé, s'il y a des chefs d'entreprise ou autres qui ont envie de t'aider, ils sont bien sûr les bienvenus. Avant de terminer ce podcast, est-ce que déjà il y a quelque chose que tu auras envie de dire que je ne t'aurais pas permis de dire? Et l'autre point, c'est que je sais à quel point, quand on gagne et autres, les gens autour sont importants, puisque y en a certains qui ont fait des sacrifices et autres. Donc, si tu as envie de faire un clin d'œil à quelqu'un ou à des personnes en particulier, alors c'est toujours difficile parce qu'on a peur d'oublier quelqu'un, mais il peut y avoir un entraîneur jeune quand tu avais 10 ans qui t'a dit vas-y, crois en toi et qui a fait la différence et que tu aurais envie de lui faire un clin d'œil. Ça pourrait être des gens de ton entourage. Bref, c'est ton moment. Si tu as envie de dire un truc, vas-y, tu peux y aller. Déjà, je voulais te remercier à toi pour me laisser ce temps de parole. J'ai vraiment passé un bon moment parce que c'est vrai que je suis un peu une pipelette. Donc, pour le coup, de garder ça en souvenir, c'est vraiment top. Puis, pour la personne, on va dire, je pense que je dirais quand même mon entraîneur actuel qui, du coup, me suit depuis que je suis rentrée dans ce pôle à Besançon, qui a vraiment, vraiment toujours cru en moi. Puis, grâce à lui, j'ai jamais eu besoin de coach mental, de préparateur physique parce que c'est vraiment un couteau suisse quoi, il a toujours su tout m'apporter et même quand j'ai eu des grosses périodes de doute parce que j'en ai eu, il a toujours cru en moi. Donc voilà, c'est vraiment Tu peux citer son nom Ah si, oui. enfin, si tu veux, après Pas de c'est. souci. Et du coup, il s'appelle Mathieu Nadal comme le joueur de tennis. Il est sélectionneur équipe de France de VTT mais il arrive quand même du coup à être à mes côtés et à me supporter parce que je ne suis pas la sportive la plus facile. Donc voilà, je voudrais ouais, le remercier puis lui dire merci de toujours avoir été là et de m'accompagner, de continuer à m'accompagner. Et puis sinon, merci aussi à tous les supporters, à toutes les personnes, même si des fois je peux décevoir, même si des fois je ne gagne pas tout le temps, parce que je gagne quand même rarement, mais bon, ça montre que la victoire elle est encore plus belle quoi, quand on va la chercher. Donc voilà, merci à tout le monde, merci à vous d'avoir écouté et suivi ce podcast et puis on peut se dire à la prochaine. Bah oui, et puis je pense que si on fait bien les choses, les gens vont te suivre et puis derrière, ça te fera, on l'espère, un petit fan club. Et qui sait, ils t'achèteront peut-être déjà un livre et c'est déjà une forme de soutien Tout en soi. à fait, et plus on est fou, plus on rit. C'est clair. En tout cas, Jade, vraiment merci pour cette belle énergie. Moi, je suis toujours hyper content quand j'ai un champion ou une championne. Bien sûr que même les champions amateurs, je les adore aussi parce que quand on se démène dans le sport, il n'y a pas de meilleur champion qu'un autre. Mais en tout cas, moi, voilà, en fan de sport, quand j'ai un champion ou une championne de France, ça me fait toujours un petit quelque chose. Donc, merci d'avoir accepté. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation. Encore une fois, je fais un gros clin d'œil à Stéphane qui, je suis sûr, quand il aura écouté ce podcast, m'enverra quelques feedbacks super constructifs comme il le fait régulièrement. Donc, merci à vous deux d'avoir permis à ce que ce podcast ait lieu. Et puis, je te dis. Bonne compétition, puisque là tu vas remettre le dossard et j'imagine bien à quel point tu vas bouffer du bitume, comme on dit. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, bonne fin de journée. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode.
J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Jade. Et pour en savoir plus, notamment sur comment commander son livre, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast ? Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcasts ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez, vas-y. Et d'ici là, portez-vous bien !